Les petits contes du tapis aux éditions du Seuil. Le boubou de Madame Porc-Épic, conté par Mahoud Couton, illustré par Irène Soch. Hey John Jay, John Jay, ouvrez l'oreille et laissez entrer mon conte que voici. Là-bas, tout là-bas, au bord du fleuve Niger, se dresse une toute petite maison bleue. C'est là que vivent Monsieur et Madame Porc-Épic, qui, m'a-t-on dit, y sont très heureux. Un jour, embarque sur le fleuve le singe claironne. « Oyez, oyez, bonnes gens, dans 3 jours, c'est la fête du village !» La fête? Le couple Porc-Épic est fou de joie. Et Monsieur Porc-Épic a sa petite idée pour faire plaisir à sa femme. Tip-tap, tip-tap. Monsieur Porc-Épic se rend au village, serrant dans sa patte un magnifique tissu bleu. Écureuil ouvre la porte. C'est lui qui coud les plus beaux boubous du pays. Vous ne le saviez pas? Écureuil, écureuil, veux-tu bien coudre une robe pour ma femme? Avec plaisir, dit Écureuil. Viens la chercher demain soir. Il se met aussitôt au travail. Il faut beaucoup de trous pour laisser passer tous les piquants de la dame. Ce n'est pas rien. Boum, boum, boum. Écureuil ouvre la porte. Une énorme trompe, 2 défenses et une grosse tête bouchent l'entrée. C'est éléphant. Écureuil, prends ce tissu et fais-moi une belle robe pour ma femme. Écureuil ne peut pas. Il est en train de coudre la robe de Madame Porc-Épic. Éléphant est très fâché. Il ôte une de ses énormes chaussures et dit « Maintenant, tu travailles pour moi. Si ce porc qui pique se plaint, montre-lui cette chaussure et dis-lui que j'en ai 3 autres à mes pieds. » Badam, boum, badam, boum, éléphant s'en va. Le lendemain, 3 petits coups sont frappés à la porte d'écureuil. C'est Monsieur Porc-Épic. « Bonjour Écureuil, je viens chercher la robe de ma femme. » Écureuil soupire, il n'a pas fait la robe de Madame Porc-Épic. Tout désolé, il montre la chaussure d'éléphant. Monsieur Porc-Épic, lui, n'a peur de personne. Il enlève un des piquants qu'il a sur le dos. « Remets-toi la robe de ma femme et ne t'inquiète pas pour éléphant. S'il repasse, montre-lui ce piquant. Dis-lui que c'est un de mes poils et que j'en ai encore 6 000 sur le dos. » Tip-tap, tip-tap, Monsieur Porc-Épic s'en va. Boum, boum, boum. Éléphant est de retour. Les murs tremblent quand il apprend que la robe n'est pas prête. « Veux-tu que je me fâche ? » dit-il en prenant sa plus grosse voix. « Oh que non ! Écureuil ne veut pas être écrabouillé. » Il tend le piquant à éléphant, mais aïe ! Celui-ci se pique la trompe. « Fais attention, dit Écureuil, Monsieur Porc-Épic est très grand et très fort, et ceci est un de ses 6 000 poils qu'il a sur le dos. » 6 000 poils de cette taille et piquant comme des épines. Au secours, boum, boum, boum. Éléphant s'enfuit de l'atelier d'Écureuil. Ça y est, c'est le grand jour. Tip-tap, tip-tap, Monsieur et Madame Porc-Épic arrivent à la fête très chic. Madame Porc-Épic est toute fière dans son nouveau boubou bleu. Les danseurs se trémoussent déjà au son des djembés. Seuls Monsieur et Madame Éléphant sont absents. Et vous savez pourquoi? Éléphant a trop peur de rencontrer Porc-Épic. Je peux vous le raconter parce que moi, j'y étais.